joueurs par cœur. Battu du chapelet, tu n'en es pas au commandement de mon boy du club. Si Allez, par cœur, tu reviens au Ford. Battu du chapelet, qui en est pas l'avantage de mon père par cœur qui lutte avec boy du club. Si battu du chapelet, de mon père par cœur. Battu du chapelet, qui m'emporte. Deuxième place, battu du mon père par cœur, la photographie. J'ai la trompe de l'éléphant qui est cassée. Bravo Zizi, merci. Vous voulez pas le laisser plutôt au secrétariat? Comme ça je vais la récupérer. Et puis vous leur dites que la trompe elle est cassée, faut la recoller. Ils vont faire ça, non, ils vont recoller. Un éléphant ça trompe énormément. Oui, oui, oui. C'est la devise de l'éléphant. Mathieu, est-ce que ça a été facile? Oui, bien. Bien. En partant, j'ai eu peur, je suis parti un peu sur place. Il a été un peu apeuré par les autres, on l'avait équipé différemment aujourd'hui. Mais après, très bien, parce que fallait faire la chasse un peu derrière une fuyarde. En montant, il allait librement, mais calmement. Il y a eu une attaque qui a fusé en dehors. Après, il a bien répondu toute la plaine, tout le dernier tournant. Et après, il l'a fait assez facilement. Donc, non, c'est bien, ça fait deux coups qu'on vient sur les autres et deux coups, il fait ça de belle manière. Moi, bon, à la fin, on avait été sanctionné pour ses allures. La piste n'était pas très très bonne le dernier coup, donc ça ne l'a pas forcément aidé. Mais il est calme, il vient sur les autres, il tire pas. C'est vrai qu'on l'avait vu gagner le premier coup un petit peu sur la fougue, alors c'était pas forcément une trop belle image pour lui. Que là, en venant sur les autres, il prend ça correctement et c'est très bien. Est-ce que tu avais la pointure de Ballerine Griff dans l'année tournant? Ouais, bah, elle en avait marre un petit peu. Déjà, elle a failli faire une faute à 500 mètres du poteau. Moi, quand j'ai commencé à le lancer le mien, je fondais sur lui. Et après, elle a fait la faute parce qu'elle était fatiguée, Ballerine Griff. Donc, je pense que je serais venu l'inquiéter assez facilement. Et juste là, dans l'année tournant, il n'a pas marqué une petite hésitation en même temps? Si, j'ai eu un petit coup de mou au poteau des 500 mètres. Il a fait que je mette une petite claque. Et après, il s'est vraiment bien relancé. Donc, on m'en a soufflé aussi, peut-être. Mais bon, 14,5, c'est bien. Hein, que des points positifs. Ouais, non, ça va. J'ai failli tomber, oui. Hein, il a peur des tracteurs. Ça, c'est le seul point négatif qu'il a, c'est que les tracteurs, il a du mal à s'y faire. Mais bon, c'est son caractère, il en faut. Paul, troisième, est-ce que avant le coup, c'était une performance attendue? Pas forcément, parce qu'il y avait des clients quand même. Et bon, 2100, j'avais jamais fait la grande. Toi, j'ai jamais descendu, je savais pas s'il allait à monter. Là, aujourd'hui, il court propre. Rien à dire, j'ai peut-être fait une erreur, c'est de venir trop tôt. Peut-être ce qui coûte peut-être la seconde place. Mais après, c'est pas un cheval qui fait un 2-3-4 en remontant qu'on peut venir d'un coup comme ça. Peut-être l'erreur que j'ai fait, c'est ça. Peut-être qu'on aurait pu être second. Je sais pas. Il serait peut-être encore mieux en 2007 en plus? Je pense, ouais, parce que c'est un vrai dur. Hein. C'est un vrai dur. Et puis, là, on avait changé la ferrure, on avait allégé un peu et parti moins franco que d'habitude, moins sur la main. J'ai pas trouvé super aujourd'hui. Donc c'est un poulain qui est perfectible et qui va poursuivre dans cette voie. Quand on est troisième dans ce semi-classique, on continue maintenant? Ah oui, on va continuer, c'est sûr. On va y faire attention, c'est notre meilleur. Donc non, ça promet. Yeah.